Tu le sais, chez Marmiton et dans Recette Roulette, le tiramisu tient une place de choix dans notre cœur. Aussi, quand je pense fête et tiramisu, je ne peux qu'envisager ce tiramisu à la crème de marron et au marron glacé. En avant pour les ingrédients, la recette dans quelques instants. Première étape, la crème mascarpone. Que les Italiens ne m'en veuillent pas, on va faire une petite entorse en ajoutant de la crème chantilly, car mascarpone plus crème de marron, eh ben, ça nécessite un petit peu de légèreté. Mais tu vas voir, c'est exquis à souhait. Alors, je vais prendre le mascarpone, le sucre vanillé et la crème de marron. On va prendre le fouet pour travailler tout ça. La crème est très froide. On va pouvoir la monter en chantilly et surtout, souviens-toi bien, c'est de la crème liquide entière. Bon là, je ne mets pas de torchon par-dessus parce que je veux que tu vois ce qui se passe, mais globalement, chez toi, n'hésite pas à mettre un petit torchon au-dessus pour éviter d'avoir des projections partout. La crème est montée, on va pouvoir l'incorporer délicatement à notre mélange. Alors ce que je te conseille, c'est de sacrifier un tiers de la chantilly pour détendre cette crème. Je vais maintenant ajouter le reste de la crème en mélangeant délicatement. C'est le moment d'ajouter les brisures de marron dans la crème. Parce que c'est jamais trop gourmand. Alors j'en mets déjà une partie, je vais mélanger avant d'ajouter le reste. La crème est prête, il ne me reste plus qu'à ajouter la liqueur de châtaigne dans le café froid avant de procéder au montage des tiramisu. Je les trempe et je les mets au fond des verrines. Et je mets la crème mascarpone, crème de marron, dans les verrines. Avec mes petits morceaux de brisure de marron dedans, ça va être trop bon. Et voilà, il ne me reste plus qu'à couvrir et à placer au frais pendant au moins 3 heures. Je décore mes verrines d'une couche de copeaux de chocolat et d'un beau marron glacé. Et voilà, j'ai fait petit et grand gourmand. Je crois que tu as deviné laquelle je prenais. Alors sur ce, à très vite dans Recette Roulette.